de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Nous allons aujourd'hui parler de cette horreur qui s'est encore passée là très récemment à Annecy, où il y a eu tout simplement un homme armé d'un couteau qui a donc agressé 6 personnes. Et sur ces 6 personnes, il y a donc 3 personnes qui ont leur pronostic vital engagé. Et il s'agit pour la plupart d'enfants. Donc c'est vraiment un drame incroyable. Et si j'ai décidé d'en parler dans cette vidéo, c'est parce que cet homme, après avoir commis ce qu'il a fait, après avoir commis cette horreur, a crié au nom, donc bien sûr c'était en anglais, mais au nom de Jésus-Christ, donc in the name of Jesus Christ. Voilà, donc c'est tout simplement hallucinant. Et nous allons parler aujourd'hui de qu'est-ce que la Bible dit de ce genre de comportement. Est-ce que c'était, voilà, parce qu'il se revendique étant un chrétien, et il faut savoir que dans les articles de presse, bien sûr, le mot chrétien a été affiché en grand. Donc voilà, pour encore une fois de plus, on va dire, salir entre guillemets les religions, et notamment cette fois-ci, c'est quelque chose qui est assez inhabituel, parce qu'on a beaucoup d'actes de ce genre-là avec des extrémistes islamistes, mais par contre là, il s'agit d'un entre guillemets pseudo-chrétien. Alors bien sûr, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement que cet homme n'est absolument pas chrétien, si ce n'est le nom qu'on lui a attribué de chrétien, parce qu'un chrétien, un véritable chrétien, un véritable disciple de Jésus-Christ, ne peut absolument pas commettre une attaque comme ça, étant donné que la Bible nous dit bien dans plusieurs passages que toutes ces choses-là, les assassinats, les meurtres, le mensonge, le vol, tout ça, ça appartient au diable. Un enfant de Dieu doit marcher dans l'obéissance, loin du péché, donc loin des vols, loin des mensonges, loin de toutes ces choses anodines pour certaines personnes qui pratiquent ça, on va dire, quotidiennement. Donc encore plus pour tout ce qui est assassinat, et encore plus, j'ai envie de dire, sur des petits-enfants qui sont des êtres innocents. Donc voilà, donc faut savoir, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner vraiment des choses, on va dire, assez intéressantes par rapport à la parole de Dieu, pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que la Bible nous dit sur ce genre de comportement. Est-ce que ça a été prophétisé? Bien sûr que oui. Voilà, le Seigneur Jésus nous a dit qu'à la fin des temps, beaucoup viendront en son nom. Hein, voilà, ils se feront même passer pour lui-même, pour Jésus. Et ils commettront toutes sortes de choses. Et il y a même une prophétie qui est quand même assez incroyable, qui concerne notamment les extrémistes islamistes, donc ceux qui tuent au nom de Dieu. Mais là, en l'occurrence, cet homme qui a dit au nom de Jésus-Christ. Regardez cette prophétie, elle a été donnée il y a 2000 ans en arrière par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Cette prophétie incroyable, vous allez la retrouver dans Jean 16, chapitre 16, verset 2. « Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient, donc dans un futur, où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Le Seigneur avait prophétisé que des gens allaient tuer au nom de Dieu. Comme si Dieu avait besoin de gens qui tuent pour lui, alors qu'il a le pouvoir de vie et de mort. C'est tout simplement hallucinant comment le diable est fort, comment le diable arrive à emmener des gens en enfer. Voilà les kamikazes, tous ces gens-là qui... Vous savez, au moment de leur mort, je pense que la désillusion doit être incroyable. Et là, bon, là, c'est vraiment aujourd'hui ce cas de ce, entre guillemets, pseudo-chrétien, qui n'est pas du tout un chrétien, il faut le dire clairement, hein, qui a tué, donc, voilà, des... Enfin, qui a pas tué, mais qui a blessé grièvement des enfants, qui s'en est pris à des enfants au couteau. Enfin, c'est, là, on est atteint vraiment le summum, hein, du grand n'importe quoi. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à cet homme... Donc il est âgé d'une trentaine d'années, et donc il est venu dans un parc, il a étudié pendant assez longtemps, et donc il a attaqué des petits-enfants qui étaient en train de jouer sur une aire de jeu. Manifestement, apparemment, c'était sa cible. Voilà. Après, des personnes ont essayé de l'effrayer, il s'est éloigné et la police est intervenue
il parlait anglais, le gars était confus. Donc voilà, bah, vous savez, beaucoup aussi sont poussés, en fait. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui tuent comme ça parce qu'ils entendent des voix dans leur tête et c'est des puissances démoniaques qui les poussent indirectement à commettre des actes comme ça, parce que voilà, pour différentes raisons, hein, on ne connaît pas tout du monde spirituel, mais on sait notamment avec des témoignages comme la maison d'Amityville où le jeune avait tué toute sa famille à coups de fusil de chasse, il a expliqué que dans sa tête, le diable avait harcelé de tuer sa famille. Et on a des témoignages comme ça récurrents, hein, qu'on entend un petit peu partout, vraiment... je vais même pas dire que c'est rare, parce que c'est vraiment récurrent et assez régulier que des gens disent qu'ils ont entendu des voix les pousser à commettre des meurtres. Donc c'est tout simplement incroyable aussi de ce côté-là. Et là, donc en l'occurrence, bien sûr, on connaît le coup de maître du diable, hein, accusé de mettre ça sur le dos d'un chrétien, entre guillemets. Ça salit Dieu, ça salit Jésus-Christ, et beaucoup de gens diront, tu vois la religion, ce que ça ramène, alors que, comme je le dis, cet homme n'était absolument pas un chrétien, hein, parce que on va le voir dans les versets bibliques juste après, un chrétien ne peut pas avoir un tel comportement. Hein, donc voilà, donc il a dit au nom de Jésus-Christ au moment de l'attaque ce que l'on sait de l'agresseur. Hein. Il a vu sur lui également donc, une photo de Jésus, une croix, et donc c'était quelqu'un qui venait de la Syrie. Donc bon, on sait très bien que beaucoup de gens viennent là-bas et font n'importe quoi, hein. C'est pas la première fois. Et donc, il avait demandé dans sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, donc disant que voilà, comme c'était un pays en guerre, il a fui et ça lui a permis de venir en France. Donc maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à tout ça? Eh bien, la Bible nous dit déjà que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4 verset 8. Donc à partir du moment où tu n'aimes pas, l'amour ne fait pas de mal à autrui, hein, l'amour pardonne, l'amour est patient, l'amour ne s'emple pas d'orgueil, on connaît tous ces passages bibliques, et donc on sait que quelqu'un qui n'a pas l'amour, donc qui va s'en prendre à des êtres humains, dans la violence, dans la méchanceté, dans les insultes, n'a pas connu Dieu. La Bible est formelle sur ce point. Donc si vous voyez des chrétiens mettre des droites à des gens, planter des enfants, insulter des passants, vous savez que ce n'est absolument pas quelqu'un qui est sauvé, c'est quelqu'un qui s'en va à la perdition s'il ne se repent pas. Et parce que la Bible nous dit clairement que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc Dieu ne le connaît pas et lui non plus n'a pas connu Dieu. Parce que Dieu est amour. C'est un passage qui est très très clair. Après, bien sûr, Exode chapitre 20, verset 13, « Tu ne tueras point hein, », bien sûr, voilà, le fait d'essayer de tenter de tuer ou de tuer quelqu'un, c'est un grave péché, c'est enfreindre les 10 commandements, et c'est aussi ben, voilà, se condamner d'avance. Donc, « Tu ne tueras point », quelque chose vraiment d'extrêmement clair. Et n'oublions pas que Matthieu chapitre 7, verset 23, des gens qui se disent chrétiens, voilà, après leur mort, quand ils viendront devant le Seigneur, Dieu leur dira, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, donc c'est-à-dire le péché. Donc, quelqu'un qui meurt dans un état de péché ne pourra pas être sauvé, ça c'est clair, net et précis, parce que le Seigneur nous demande d'être saint, parce qu'il est saint, de nous repentir de nos péchés, c'est-à-dire de les reconnaître publiquement et de les abandonner. Hein, donc, c'est pas le tout de dire pardon Seigneur pour ce péché, de continuer à le pratiquer. Dieu veut que nous les abandonnions et il nous aide si nous sommes volontaires et bien disposés pour les arrêter. C'est un petit peu comme l'envie de fumer. Hein. Si on n'a pas l'envie, on n'arrêtera pas. Il faut un minimum de volonté. Dieu nous y aide. Comme je suis moi-même ce témoignage qui m'a permis d'arrêter beaucoup de péchés dans ma vie. Donc voilà. Donc je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez, vous qui commettez le péché. Donc des gens qui disent, voilà, je t'ai connu Seigneur, j'aime le Seigneur. Au nom de Jésus, je vais planter des enfants. Ces gens-là, ne vous attendez pas à être sauvés. C'est assez clair dans ce passage. Hein. On l'a vu également juste avant. Et ensuite, on a également Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc ça, c'est un complément qui vient avec le verset précédent. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. La volonté de Dieu, c'est quoi? De placer sa foi en Jésus-Christ, de demander pardon pour nos péchés et de les abandonner, de se sanctifier, donc de se repentir. Et de marcher dans les voies de Jésus, donc d'aimer son prochain, de pardonner son ennemi, de ne plus enfreindre les 10 commandements, d'annoncer l'évangile, voilà, et d'être dans l'amour. Voilà la volonté du Père Céleste, hein. C'est ça sa volonté. Donc aujourd'hui, des gens qui disent Seigneur, Seigneur Jésus, tout le monde n'entrera pas dans le royaume des cieux, parce que celui qui ne fait pas la volonté de Dieu ne sera pas sauvé. C'est complètement clair, net et précis. Après maintenant, le verset sur les enfants, Matthieu 18, verset 6.
si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui mettent leur foi en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui suspende une meule de moulin au cou et qu'on le noie au fond de la mer. » Donc là, Dieu parle prioritairement, bien sûr, des nouveaux convertis dans ce passage. Mais le Seigneur Jésus nous a souvent dit dans la parole que nous devions être les imitateurs des petits-enfants, parce qu'un enfant, c'est pur, c'est saint, ça n'a pas d'arrière-pensée, ça aime avec sincérité. Et aujourd'hui, les chrétiens doivent avoir des comportements similaires aux enfants, c'est-à-dire ne pas juger, aimer, pardonner, partager, donner de son temps. Voilà tout ça. Et c'est pour ça que Dieu a mis l'accent, parce que les enfants sont aux yeux de Dieu des êtres purs et innocents. Donc quelqu'un qui s'en prend de la sorte à des enfants, c'est quelqu'un qui va s'attirer sur lui les foudres de Dieu. Et je pense que Dieu réserve les pires châtiments à des gens qui s'en prennent à des enfants. À tout ce qui est viol d'enfants, meurtre, séquestration, toutes ces choses-là, ce sont des choses abominables que déjà l'homme a en écœurement. Donc imaginez à quel point Dieu, dans son amour, s'en prendra à des êtres innocents comme ça, à quel point Dieu châtiera les gens qui ont fait ce genre de choses. Et c'est pour ça aujourd'hui que on a des gens qui s'en prennent comme ça de plus en plus longtemps, parce que le diable agit comme ça dans ce milieu-là pour pousser les gens à l'écœurement de la religion, de la foi. Et comme je le répète, encore une fois, cet homme n'était absolument pas dans le chemin de Dieu. Quand on est dans le chemin de Jésus-Christ, on ne peut pas commettre de tels actes. On n'est déjà pas capable de mentir. Voilà, on aime son prochain, on partage, on aide la veuve, l'orphelin, les sans-abri. Donc comment voulez-vous qu'on puisse faire une telle atrocité? Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que je sais que le milieu chrétien va être une fois de plus visé par tous les athées, par tous les païens et tous les gens hostiles à la véritable foi en Jésus-Christ. Mais voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas bien sûr à la partager, à la liker et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé par rapport à cet acte. Et si vous avez des questions, bien sûr aussi, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Que le Seigneur Jésus vraiment revienne, parce que ce monde vraiment est en train de dégénérer dans tous les sens du terme. On peut vraiment analyser partout autour de nous, c'est vraiment de pire en pire. Le monde va vraiment de plus en plus mal, que ce soit dans le comportement de l'homme, dans l'accentuation des péchés, dans la banalisation des péchés, dans les catastrophes naturelles, dans les choix politiques, dans tout, le diable est en train de vraiment semer la zizanie, le chaos. Il suffit simplement de regarder le journal télévisé pour voir que plus rien ne va en fait. Donc nous devons rester non pas dans l'inquiétude, mais nous préparer, parce que le Seigneur Jésus nous l'a dit, à la fin des temps, toutes ces choses devront arriver. Ce sera les douleurs de l'enfantement, comme une femme prépare son accouchement, c'est le début de la fin. Donc nous devons nous préparer, non pas à mourir, non pas à la fin du monde, mais au retour puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. La terre tremblera, les cieux s'ouvriront avec fracas, et là paraîtra le Seigneur Jésus qui viendra chercher ceux qui aujourd'hui l'attendent, ceux qui mettent leur vie en règle, ceux qui se préparent, ceux qui sont baptisés au nom de Jésus-Christ, qui ont témoigné de leur foi publique, ceux qui marchent dans ses pas et dans ses voies, tout simplement. Donc, et à la suite de ça, la colère de Dieu frappera cette terre pour punir voilà, les pécheurs et tous ces hommes rebelles qui auront refusé la grâce du Seigneur Jésus que Dieu nous a donnée. Voilà, soyez bénis, chers frères et sœurs, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restons dans l'amour et dans la paix. C'est ce que Dieu veut et c'est ce que l'être humain veut également. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas
sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.